quand Marcel Campion prend la pause avec Brigitte Macron. Le roi des forains, en froid avec la mairie de Paris, a pris la pause aux côtés de la première dame dimanche. Un cliché qui a indigné les réseaux sociaux. Par le point.fr. Marcel Campion est le roi des forains, mais aussi de la communication. Dimanche, il n'a pas loupé l'occasion de s'afficher aux côtés d'une invitée de marque, Brigitte Macron. Le Parisien explique que la première dame était venue se balader au marché de Noël des Tuileries, à Paris, avec ses petits-enfants, mais sans son mari, qui réveillonnait avec les militaires de l'opération Barkhane au Tchad. La photo prise devant l'un des manèges n'a pas manqué de déclencher la colère des internautes. Si Marcel Campion ne gère pas directement le marché de Noël des Tuileries, il l'a lancé et reste visiblement très présent sur le site. Le roi des forains est notamment sous le feu des critiques depuis les propos homophobes qu'il a tenus envers Bruno Julliard, l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo. Le cliché est aussi vu par ses détracteurs comme un pied de nez à la mairie de Paris, alors que la ville a mis fin au traditionnel marché de Noël qui se tenait sur les Champs-Élysées, en 2016. Une photo jugée lamentable. Par la suite, l'entourage de Brigitte Macron a fait savoir aux Parisiens que ce déplacement avait eu lieu dans un cadre privé et que la photo ne pouvait aucunement apporter une caution aux forains. La première dame aurait aussi saisi l'occasion de dire combien elle avait trouvé ses propos inacceptables. Outre les internautes, Yann Brossa, adjoint PCF à la mairie de Paris, a été scandalisé par le cliché. Je trouve lamentable que la première dame ait trouvé malin de se pavaner bras dessous avec Marcel Campion, a-t-il déclaré à RTL. Malgré le cadre privé de la visite, il estime que Brigitte Macron lui donne quand même un brevet de respectabilité. Le député PS Luc Carvouna a également réagi sur Twitter, s'afficher avec un homophobe notoire, jolie faute de goût de la première dame.